Bonjour tout le monde, c'est Tigi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que quelqu'un m'a lancé un défi. J'étais tout simplement en train de jouer à Planet Zoo, à de faire une petite surprise que vous verrez si on atteint un certain cap, je vous en dis pas plus. Quand une personne est venue me voir et m'a dit: est-ce que c'est possible de faire des bassins sans que ça soit dans la terre ou sans que ça touche la terre? Donc des bassins qui lévitent en quelque sorte. Vous savez bien que Planet Zoo ne peut pas faire de bassin qui lévite. Donc je lui fais bah non, désolé, c'est pas possible. Et là, j'ai vu la déception dans ses yeux. J'ai vu la tristesse qu'il avait quand j'ai dit la réponse. Je le voyais tout triste. Il était déjà fier de faire une petite fontaine dédiée aux manchots qui passeraient à l'intérieur de ce bassin volant et tout. Du coup, je lui ai dit: écoute, si tu veux, je peux essayer de faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. On verra si ça marche, mais il faudra que tu le refasses de ton côté. Parce que si ça marche de mon côté, ça ne marchera pas de ton côté. Et il m'a dit: d'accord, je te mets au défi de faire cette fontaine dédiée aux manchots, qui est une fontaine en clos. Et du coup, nous voilà ici présents à essayer de faire une fontaine manchot avec un bassin volant. J'ai quelques petites idées en tête. Je vais voir si ça marche. Si ça marche pas, bah ce sera un fail. Si ça marche, et bah écoutez, vous aurez la vidéo. Je pense que une petite série de défis, ça peut être sympa de temps en temps. La communauté, peu importe où elle se trouve, que ça soit sur le Discord Planet.fr, ou bien sur YouTube, ou je sais pas où, quoi, peu importe, me lance un défi. J'essaie de le réaliser et si j'y arrive pas, bah tant pis, si j'y arrive pas, tant mieux. Du coup, on part sur ce défi-là. Un bassin fontaine dédié aux manchots. Les manchots royaux, si je ne dis pas de bêtises. Sans que ça touche la terre, sans qu'il n'y ait de traces de terre. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon visionnage et puis à tout à l'heure. Thank you.
Heureux tout le monde. Bon, ben du coup, c'est avec tristesse que je vois qu'il y aura toujours de la terre. Peu importe ce qu'on fait, genre là, avec clôture, il y aura de la terre sur le côté parce que la clôture nécessite de la terre. Sans clôture, il n'y a pas de terre en dessous. Mais il y a la terre sur le côté parce qu'il y a besoin d'un encadrement. Et j'ai essayé de mettre un. Une clôture ici pour comment dire une clôture ici pour essayer d'enlever l'eau après que le trou soit creusé, mais il y aura toujours de la terre sur le côté, ça reviendra à ça. Donc c'est clairement impossible à faire sans qu'il y ait de terre, mais j'ai peut-être un petit truc pour que ça fasse joli, pour que ça fasse une fontaine assez jolie. Sans qu'on voie de la terre, avec tout simplement de la construction, hein. Donc, je vais m'y atteler maintenant et faire cette sorte de fontaine à pingouins en hauteur. À de suite.
Re tout le monde. Bon, j'ai vraiment tout essayé comme je vous l'avais dit, que ça soit avec la clôture, il restera de la terre. Sans clôture, il restera de la terre sur le côté. Et avec la clôture à l'intérieur, il y aura toujours de la terre sur le côté aussi. Pour le coup, du coup, j'ai réussi à faire ça. Ça vole. C'est ce qu'on m'avait demandé. Voilà, ça vole. C'est une fontaine en l'honneur des manchots. Je l'ai fait à ma dose, hein. On peut encore plus décorer, mais ça m'a déjà pris énormément de temps, hein, je vais pas vous le cacher. Et je le trouve très joli comme ça. Je sais que lui, en fait, il a un enclos manchot qui sera en hauteur. Il y aura une rampe qui va aller là. Donc les manchots pourront descendre jusqu'à là. Et en dessous, ici, il y aura des commerces. De ce que j'ai compris, des commerces là et une route qui va monter par là, je crois, pour pouvoir voir les enclos, enfin la fontaine. En fait, son l'enclos manchot, c'est son îlot principal qu'il y a en début de zoo. Donc, ça sera une sorte de carré rond, je sais pas comment il va faire, mais bon. Je vais montrer, ça lui plaît. Est-ce qu'il va réussir à le reproduire? Je ne sais pas. Je vais le mettre quand même sur le workshop au cas où. Mais je doute qu'on puisse remplir le bac une fois la terre enlevée, etc. Ensuite, le reste de la décoration, j'ai fait tant du classique, puisque c'est le thème un peu de son parc. Avec plein de choses en fait. Hein. Moi, j'ai bien aimé. J'ai voulu faire un truc. Avec les fontaines qui vont au milieu là. Mais c'est tout bonnement impossible. Et ça, je sais pas en fait comment ça marche. La plateforme flottante doit être plus vaste. Bon, bah, on supprime. Ils iront tout seuls au milieu. Parce qu'en fait, le problème avec les jets d'eau, c'est que l'eau, bah, elle ne s'arrête pas à la surface de l'eau, elle continue. Donc ça fait moche. Après j'aurais pu mettre encore plus de déco sur les côtés, mais je me suis dit non, ça rend bien comme ça. En tout cas, moi j'aime bien. Du coup, est-ce que on peut dire que le défi est relevé? Faire une fontaine enclos manchot, je dirais à moitié. Une fontaine enclos manchot en lévitation, on va dire. Sans terre ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire à moitié parce que il restera toujours de la terre qu'on devra cacher via les constructions. Pour le côté fontaine, c'est fait. Pour le côté enclos, bah vous le voyez, hein, il y a les manchots du gap, les manchots royaux qui sont en train de nager tranquillement. Vous voyez, quand je vous dis que ça passe à travers, c'est chiant. Et là, j'aimerais bien qu'il monte là, qu'il aille là, en fait. Fontaine dédiée aux manchots, oui, puisqu'il y a nos petits manchots ici, il y a un rappel de manchots là. Honnêtement, moi, ça me plaît. Ça plaît à mon ami. Je pense que le défi est relevé aux trois quarts, on va dire. Et voilà. Donc, si vous avez une astuce pour enlever la terre qu'il y a là, avec la technique du tunnel, comme j'ai fait à plusieurs reprises, et qu'il y a dans les astuces, je suis preneur. Mais sinon, je ne vois pas comment faire. Ouais, je vois absolument pas comment faire sinon après. Ouais. En tout cas, moi c'est une petite série qui m'a plu. Ça m'a permis de dépasser un peu mes limites, d'avoir un peu plus d'imagination et tout. Donc si vous avez des défis en tête ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et j'essaierai de faire quelque chose, une petite vidéo comme là, et de réaliser ce défi. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!